bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un concept qu'il faut que tu comprennes. J'en ai parlé un peu dans les précédentes vidéos, mais là, c'est vraiment important. Quel est ton pourquoi? Je vais tout t'expliquer, ne t'en fais pas, mais vraiment, écoute-moi, si tu veux avancer vers tes objectifs dans ta vie, réponds à cette question. Quel est ton pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, quelle est la chose qui t'anime le plus? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu as envie de gagner 300 euros en plus? 500 euros, 1000 euros, pourquoi tu fais ça? Faut vraiment que tu comprennes ça, parce qu'en comprenant ça, tu vas comprendre pourquoi tu fais des actions en place. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais par exemple, moi je travaillais avant dans un service marketing, dans une grande entreprise, et on me demandait de faire des choses, mais je ne comprenais pas pourquoi je le faisais. Donc forcément, quand tu comprends pas pourquoi tu le fais, bah tu le fais mal. Et ça nous est tous arrivé d'avoir un job où en fait on comprend pas les missions, tout simplement parce que c'est assez flou, les ordres sont assez flous, donc évidemment, ta tâche sera soit mal réalisée, soit mal interprété, donc mal réalisé aussi, parce que tu n'auras pas très bien compris l'intitulé, c'est normal. Et c'est pour ça que l'être humain est fait pour comprendre. Il est obligé, c'est inné, on est obligé de comprendre pourquoi on fait telle ou telle action. Donc une fois que tu as compris ça, tu vas réfléchir à quel est ton pourquoi dans ta vie. Pourquoi tu veux changer de vie? Pourquoi tu veux changer ta vie? Si ta réponse c'est pour m'acheter et pour être riche, t'as pas une bonne réponse, tu n'as pas une bonne démarche, tu ne seras jamais heureux. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est vrai. Être riche, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un vrai pourquoi. Parce que déjà, ça veut rien dire, c'est pas quelque chose de précis. Être riche, c'est quoi? C'est gagner 1000 euros par mois, 1000 euros par jour, 1000 euros par seconde, ça veut rien dire. C'est beaucoup trop vague. D'une. De deux, être riche, c'est juste un état financier, c'est pas un état de conscience. C'est voilà, c'est aujourd'hui t'es riche, mais si demain tu perds tout ton argent, bah qu'est-ce que tu es? Donc faut pas que tu réfléchisses comme ça. Pense vraiment à quel est ton pourquoi. Je vais t'expliquer mon pourquoi et tu vas mieux comprendre. J'ai commencé à m'intéresser dans le business, bon, ça fait depuis que j'ai l'âge de 12 ans que je dis que je veux créer une entreprise, mais je savais pas dans quoi. Plus je me rapprochais des études supérieures, en fait, plus je montais dans mes études supérieures, plus je m'ennuyais en fait, et plus je me disais ça va pas, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai commencé donc à voir des personnes qui réussissaient sur internet et je me suis dit c'est ça que je veux faire, tout simplement parce que j'ai quelque chose et c'est mon grand pourquoi en fait, c'est la liberté. Je t'explique. Quand tu as un travail sur internet, tu n'as pas de contraintes géographiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux travailler où je veux. Là ici on est à côté de Paris, là quand je tourne cette vidéo, mais je peux tourner exactement la même vidéo à New York, à Dubaï, à Tokyo, en Australie, etc. Toi ça ne changera rien, tu auras le même contenu. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Donc je voulais pas de contraintes géographiques, je voulais pas de contraintes horaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis mon propre patron, je me lève quand je veux. Ça, c'est vraiment facile, mais c'est surtout je travaille quand je veux. Parfois, j'ai pas envie de travailler de la journée, mais j'ai envie de travailler à partir de 22h jusqu'à 2h du matin. Et bah, je peux le faire parce que j'ai pas à avoir des heures d'ouverture d'un bureau. Ça, c'est juste génial. Et surtout, j'ai pas de contraintes hiérarchiques. Ça, c'est très important pour moi parce que j'ai toujours aimé manager, etc. Et je détestais qu'on me donne des ordres. Donc, c'est pour ça que je suis content d'avoir ce métier-là, qui est celui d'infopreneur, entrepreneur, e-commerçant, tout ce que tu veux, on va rester sur entrepreneur. Et mon pourquoi, tout simplement, c'est d'être libre. Voilà, tout simplement. Je me battrai toujours pour avoir un business, tout simplement, parce que je ne veux pas retomber dans le salariat, avoir des contraintes, avoir 5 semaines de vacances, etc., etc. Je ne vais pas te décrire ce que c'est le salariat, mais voilà, moi, c'est vraiment mon but. En revanche, je vais t'expliquer d'autres exemples. Il y a des personnes qui aiment bien être salarié, ils n'ont aucun problème. Par contre, ils aimeraient bien gagner 2, 3, 400 euros, 500 euros en plus. Et là, il n'y a pas de problème. Mais quel est ton pourquoi? Pourquoi tu fais ça? En général, bah, il y a certaines personnes, j'ai fait cet exercice avec des clients, ils m'ont dit bah, tout simplement parce que j'aimerais payer des belles vacances à ma famille à la fin de l'année. Et donc, les 300-400 euros que je gagnerais tous les mois, je pourrais les économiser et faire divers projets et surtout payer de belles vacances à ma famille. Et ça, c'est un très bon pourquoi. C'est de partager quelque chose avec quelqu'un, d'avoir vraiment une réalisation finale, un objectif. Donc, c'est très intéressant. Un autre pourquoi, ça peut être par exemple, qui est aussi un des miens, mais qui est un peu plus lointain, c'est moi, je veux être millionnaire avant 30 ans. Pourquoi? Pas pour l'argent en soi. Je t'expliquerai dans une vidéo pourquoi je fixe un chiffre, c'est très important. Mais tout simplement parce que j'ai un objectif d'ouvrir des écoles, une association en fait pour créer des écoles dans des pays défavorisés. C'est vraiment mon pourquoi, j'ai envie de le faire et ça m'anime. Le but, c'est vraiment de comprendre quel est ton objectif final. Voilà, moi j'ai vraiment ma vie qui est tracée sur 10-15 ans. Dans mes objectifs, je sais vraiment ce que je veux et je sais pourquoi je le veux. Encore une fois, j'ai des pourquoi qui sont assez précis. Et c'est pour ça que le matin, quand je me lève, je suis content. Ce que tu peux faire aussi pour te motiver, c'est de te répéter tous les jours ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Et en fait, au bout d'un moment, ton cerveau va l'assimiler. Je t'explique, avec le fait de pouvoir créer une école, c'est quelque chose que je me répète depuis deux ans à peu près. Tous les jours, ou presque tous les jours, je me dis, voilà, je veux créer une école. Je veux être millionnaire pour créer des écoles. Et au bout d'un moment, mon cerveau, là,
l'a assimilé. Et donc maintenant, pour moi, c'est limite quelque chose de naturel et de normal de dire que je veux être millionnaire avant 30 ans pour pouvoir créer des écoles dans des pays défavorisés. J'ai aucun problème à le dire parce que mon cerveau, c'est juste normal de le dire. La première fois, tu verras, tu feras le test. La première fois, ton cerveau va bugger, il va se dire c'est un peu bizarre ce que tu me demandes. La deuxième fois, pareil. La troisième, un peu moins, et ainsi de suite, un peu moins, un peu moins, un peu moins. Et après, ça va être normal. Comprends pourquoi tu fais ça. Et même si ton objectif est loin, très très loin, si ton pourquoi est loin, par exemple, mon pourquoi c'est d'être millionnaire, c'est très très loin, on est d'accord? Je le dévise en petit pourquoi. Mon premier pourquoi c'est d'être libre. Donc là, tous les jours, je peux dire, bah voilà, je veux être libre, je veux être libre, je veux être libre. Et en faisant ça, tu vas vraiment comprendre et ton cerveau va comprendre l'utilité de toutes tes actions que tu fais. Parfois, je fais des trucs qui me saoulent, qui prennent du temps, qui sont compliqués, mais je sais que derrière, j'ai un grand pourquoi qui me permet que si je fais cette action, c'est compliqué, c'est chiant, mais si je le fais, ça me permet d'avoir d'autres résultats. Donc comprends vraiment quel est ton pourquoi. Pose-toi la question, vraiment pose une feuille de papier, dis-toi qu'est-ce que je veux dans la vie. Est-ce que je vais être heureux, etc., etc. Oui, d'accord, mais comment le faire? Et donc, quel est ton pourquoi? Pourquoi tu veux changer de vie actuellement? C'est vraiment très important de comprendre ça parce que ça va définir en fait toutes tes actions futures. Et comme je te l'ai dit, l'être humain aime bien savoir pourquoi il fait des choses. Donc, mets ça en place, s'il te plaît. T'iras vraiment loin. En mettant ça en place, tu vas pouvoir avoir des réponses sur toi-même et mieux te connaître. C'est très important. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo. Passe à l'action. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.